Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera la vidéo invocation. Donc vous savez très bien ce que je pense des joueurs. Regardez ma dernière vidéo sur les joueurs de G-League, partie 2. Donc moi, ma liste de vœux, numéro 1, Soda. Numéro 2, Izawa. Numéro 3, Sorimachi. Et le dernier, Kisugi. Donc voilà, donc j'ai pas besoin de vous en dire plus. On va y aller. Donc minimum 200 Dream Ball qui partent. Donc maximum il me restera 900 Dream Ball pour la suite de cet anniversaire. De quoi faire des steps, etc., etc. Parce que franchement le Soga il est insane les gars. Soga est insane les gars, c'est chaud, c'est chaud. Même le Igawa payant, il est chaud bouillant. Donc peut-être essayer d'aller le chercher sur le step 5 avec 30 Dream Ball payés. Je sais pas, peut-être que je vais prendre encore 10 Dream Ball payés et tenter d'avoir le Igawa. Parce que si j'ai le Igawa et j'ai le Soda en défenseur central, ça peut faire très 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 mal. Ça peut faire très très mal. Et bah écoutez, sans plus attendre, on va y aller. Attendez, on va voir si on peut pas avoir quelque chose. Tu sais, lancer le truc quoi. Lancer le truc. Il y a aussi ça que je dois vous faire aussi, le portail Barcelone. Là, j'ai eu le Diaz avec la reprise balle basse. Donc ça c'est bien, je l'ai mis sur mon Dream Fest V2. Alors, que je fasse pas de bêtises, faut pas faire de bêtises hein. Tiens, on va faire ça, on va lancer un petit peu, on va lancer un peu la sauce. Donc quoi qu'il arrive j'aurai Soda hein. Voilà, soit je l'ai avant les 200 Dream Ball payés, ou soit, enfin payé utilisé si tu veux, ou soit je l'ai dans le shop. Voilà, je pense que c'est un joueur qui vaut les 200, qui vaut minimum 200 euros, n'importe quoi, 200 DB pardon, je ramène tout à l'argent moi, magnifique. Allez, on va aller le chercher. Bah, c'est bien, j'ai eu le Sawada. J'ai pris le Sorimachi. Je vais avoir le Soda. Donc, en fait, le souci, c'est qu'il n'y aura pas de suspense. Allez. Si j'ai le Soda maintenant, on s'arrête immédiatement. Il n'y a pas de. Non. Bon. Allez, full merde. Ok. Allez. Donc ça me fait 11. Après je sais que si tu calcules, si tu fais une dé si tu fais la multi une DB à chaque fois, voilà. Ça sent pas bon hein. Ah, souvenir. Ah, il est balèze. Hein. Il est balèze, Igawa. C'est incroyable. Enfin, Hayato. Donc pour l'instant deux multi rien du tout. Donc la dernière fois j'ai eu le Sawada offert, enfin offert que j'ai invoqué, enfin que j'ai réussi à avoir en 100 Dream Ball, c'était génial, j'étais content. Puis c'était celui que je voulais pas d'autre. Après comme il me restait 20 DB, je faisais les comment ça s'appelle, je faisais les invocations à une DB. Après j'ai voulu finir le truc, donc j'ai eu ouf, ça sent bon ça. Ça sent bon. Allez. Bon, ça éclate. Dis-moi que t'éclates. Dis-moi que t'éclates. Dis-moi que t'éclates. N'importe quoi. N'importe quoi. Bref. Ouais, donc je disais. Donc, dernière multi. Donc voilà, je disais quoi déjà? Je suis fatigué, je viens de sortir du boulot, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir. Oui, voilà, en fait, j'avais, je crois, une trentaine de pièces G-League, donc j'avais décidé de finir et j'ai pris le, comment il s'appelle? J'ai pris le Morizaki. Multi 0 SSR. Waouh! Ah, c'est chaud là! Bon, bah écoute, on est à 900 dB.
Bon, on s'arrête là. Ouais, bah, aiguisé, on s'arrête là. Hein? Je pense avoir au moins un SSR. Bah, écoute, on va aller à la boutique, on va le prendre. Bon, j'aurais bien voulu avoir le Izawa, parce que vu que je suis fan des Marinos, des Yokohama F Marinos, bah, écoute, ça sera. C'est pas grave. Voilà. Et bah, Soda, tu viens ici. Et voilà. Bon, au moins, j'ai pas eu le Kisugi, donc je suis plutôt content. Donc voilà les amis, une petite vidéo rapidos sur le portail Jap. Je pense aussi faire le portail Barcelone. Je sais pas quand. Peut-être pendant la vidéo avec Nanou. Donc peut-être que je ferai la vidéo peut-être avant ou pendant ou en préambule avant de. Je pense que je vais faire le step Barcelone. Et après on lâche toute la sauce, tous les tickets. Je sais que mon frère Nanou, ça le démange. Il a des tickets, ça le démange de les utiliser. En tout cas, je pense qu'on va avoir une belle vidéo lundi. Lundi, je vous sors une très belle vidéo. Et voilà. Donc les amis, j'espère que vous avez eu plus de chance que moi sur ce portail-là. Je pense que Soda est ouf. Est vraiment ouf. D'ailleurs, on va essayer de le voir tout de suite. Hop. Je pense qu'il vaut le coup, au moins de lâcher 200 Dream Ball. Comme on sait, à l'avenir, il y a dans le passé, on a lâché des 500, des 600, des 700 Dream Ball pour un joueur. Là, pour 200 Dream Ball, je trouve que c'est honnête. Donc ça, bon, ça, tu vois, par exemple, Clap, c'est bien, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien ce qu'ils ont fait. Hop, voilà, comme ça au moins elle est bien. En plus, la carte, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien et pour moi, c'est le meilleur soda du jeu pour l'instant. C'est clairement le meilleur soda du jeu. Donc voilà, les amis, je vous laisse. On se donne rendez-vous normalement si tout se passe bien lundi. Donc je vais essayer de vous sortir la vidéo fin d'après-midi. Donc si tout se passe bien fin d'après-midi, je vous sors la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo Captain Tsubasa Tri Team. C'était Letko, je vous embrasse. Ciao!